Et voilà, ils font la gueule. Non mais j'en étais sûre que ça allait se passer comme ça, j'en étais sûre. Je vous raconte. Ils n'ont pas payé le même prix. Et pour cette seule raison, ils en font tout un fromage. Mais moi, je trouve ça normal que monsieur paye plus cher que madame. Pour plein de raisons. D'abord, la première, c'est que les monsieur, ça gémit, ça se plaint tout le temps. La deuxième, c'est qu'il paye vachement moins cher en coiffeur. Ah si si, je vous assure. Et la troisième, s'il faut vraiment en trouver, eh bien, je ne sais pas, disons qu'il a la peau plus dure. Voilà, si vraiment il faut trouver des excuses, moi j'en trouve. Ce n'est pas plus bête que de dire que les cheveux des madames sont plus difficiles à couper que les cheveux des messieurs. Bon alors, 100, 200, 300... Ah, et puis tu vas payer celui de madame, hein. Ça c'est la galanterie bien sûr. Comment ça, non? Mais c'était pas une question. C'est à moi d'avoir le dernier mot. De toute façon, si tu refuses, je ne fais pas le deuxième tatouage. Ha, vous aurez l'air malin avec un tatouage en commun, pas en commun. Et toc, je vois d'ici les premiers degrés en commentaire, alors dites-moi quitte à m'insulter, pourquoi cette différence de tarif selon le genre ne vous choque pas chez le coiffeur et vous choquerait ici? Je vous écoute, j'attends. Joli petit tatouage.